بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين وصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مسر مفر mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent Allah. Nous le louons, Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc le seul lit d'adoration, j'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Mohammed Ibn Abdullah, qu'Allah bénisse le prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Pur cadeau de la part de notre Seigneur Subhanahu wa Ta'ala. Et nul n'est assuré de cela. Donc, bienvenue dans ce jardin du paradis, parmi donc ces jardins qui sont les endroits, les cercles. Où donc on parle, on évoque Allah subhanahu wa ta'ala grâce à l'évocation d'Allah lui-même, de nous pour qu'on puisse l'évoquer. Il est certainement le seul digne d'évocation. Ce monde est maudit, maudit ce qu'il contient, sauf l'évocation d'Allah nous a enseigné le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. et ne parlait pas de lui-même, sauf l'évocation d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Donc Allah nous compte parmi l'une ou les deux catégories donc de ces gens. Qui ne sont pas maudits. Et ensuite, euh, qu'Allah vous récompense par le meilleur pour votre patience, pour votre fidélité, pour votre confiance. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes ensemble pour une petite heure. Dans ce cinquième épisode, donc, des maladies du cœur et les remèdes. Nous sommes tous malades, sauf celui que Allah guérit. Il est le seul guérisseur subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu donc parmi les maladies du cœur, nous avons vu les trois principales maladies que Ibn Qayyim qu'Allah fasse miséricorde considérait comme les sources de tous les péchés, à savoir l'orgueil, la jalousie et l'avidité. Et donc après l'avidité, j'ai souhaité, grâce à Allah, vous parler donc d'une maladie, une plaie, une véritable plaie, donc qui est l'ignorance. Pourquoi je la considère parmi les maladies Parce que mieux que moi, elle a l'a définie comme une maladie. En effet, un hadith que vous connaissez peut-être, hein, au cours d'une des batailles, un homme a reçu quelque chose, une blessure grave à la tête. Il a reçu une blessure grave à la tête. Et Allah l'a éprouvé, il l'a élu parmi les martyrs. Il ne le savait pas, bien entendu. Dans la mesure où, quand il a dormi, il a eu un rêve érotique. Et donc, il devait faire les grandes ablutions. Pour se purifier. En tout cas, c'est ce qu'il pensait, c'est ce que beaucoup pensaient. Il devait se purifier. Et donc, quand il, est, quand il a exposé son cas à ceux qui l'entouraient, ils ont dit oh, il n'y a pas d'autre solution que de te laver. Il a dit mais j'ai une blessure grave à la tête. Ils ont dit ben, tu n'as pas le choix, il faut que tu te laves. Il s'est lavé et Allah l'a rappelé il est mort. Quand l'agré. Quand le professeur sallam a entendu. Ce récit, il a dit, ils l'ont tué qu'à a la tué. Ils l'ont tué qu'à la tué. Il lui aurait juste fallu faire le taïamoum en montrant ses deux mains, donc faire le taïamoum avec la terre ou la pierre. Et ça remplace et les petites ablutions et les grandes ablutions. Il a dit, n'est-ce pas que le remède de l'ignorance, de la maladie de l'ignorance, c'est la science. Donc c'est une maladie. Et quelle maladie? Et quelle maladie C'est une maladie qui est, disait Ibn Rajab, « al il fasse miséricorde ». Il dit c'est c'est la racine de tous les maux. Chacun, bien entendu, il va de, du superlatif ou de sa qualification. Toujours est-il que l'ignorance est une maladie extrêmement grave. Je l'ai appelée une plaie parce que c'est une, vraiment une des choses... Qui est la source de beaucoup de maladies, dont l'association à Allah, dont l'ingratitude, la, la mécréance et tout le reste, ça vient de l'ignorance en réalité. Ça peut également venir, surtout, la mécréance peut venir de l'orgueil, parce que souvent c'est par orgueil qu'ils refusent la vérité, mais là, souvent aussi, c'est par l'ignorance. Qu'est-ce que c'est que l'ignorance La définition, donc, c'est le manque de connaissances. Ce serait trop simple. C'est le manque de connaissances ou plutôt, dans notre cas, l'inadéquation entre ce que l'on connaît et la réalité. L'inadéquation entre ce que l'on connaît et la réalité. Ça fait partie donc de ces deux types de maladies dont souffrent beaucoup de gens, l'humain en particulier. Donc, les, ce qu'on appelle les maladies donc, qui sont liées à, au waswas donc aux vicissitudes ou aux, aux suspicions fallacieuses, c'est qu'on doute et on ne sait pas, etc. Et les maladies donc, liées à la concupiscence que nous avons définie la semaine dernière comme étant l'amour, le désir, donc, des biens matériels et des richesses. Si l'avidité, sans discussion, fait partie de la dernière catégorie, la première catégorie, c'est celle qui est donc des tendances fallacieuses, qui traversent l'esprit et donc qui nous empêchent de voir clairement. Les maladies donc du corps, disait Ibn Qayyim, sont de trois sortes. Soit la disparition complète de la faculté, comme la cécité, comme le fait donc d'être sourd, euh, etc. Complète, ou alors la diminution, qui est donc le fait de voir exactement d'avoir besoin de lunettes ou plus, d'avoir besoin d'appareils pour entendre. Et donc ça c'est la diminution, la faiblesse de la la faculté et la troisième qui nous concerne aujourd'hui, c'est carrément c'est un décalage, c'est une perception fausse de la réalité. Une perception fausse de la réalité. Quand on dit ignorant, on peut penser à quelqu'un qui ne connaît rien. Ça arrive, mais généralement ce n'est pas du tout tout rien. L'ignorance, bien entendu, à des degrés. Et au-dessus de chaque savant, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la Surah Yousuf, Surah 12, au-dessus de chaque savant, il y a plus savant, jusqu'à lui subhanahu wa ta'ala qui sait absolument tout. Mais l'ignorance, donc, est relative. Elle est relative. Mais en général, il y a un minimum. C'est pour cela que le prophète sallam nous a ordonné dans cette parole qui est véridique et qui est importante talabul ilm la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Et Allah dit dans la sourate Muhammad justement la surah 47 verset 19 alam ô au Muhammad annahu la ilaha illallah." Allah. wa Sache, ô Muhammad, qu'il y a d'autres êtres dignes d'adoration si ce n'est Allah. Et demande pardon pour tes péchés et pour les croyants et les croyantes. Parce que qu'est-ce que l'homme Nous naissons, nous le savons tous en tout cas, dans les trois ténèbres. Dans les trois ténèbres. À partir de la fécondation, l'homme va subir des transformations dans l'utérus, dans le ventre. Et donc, il va sortir dans un monde qu'il ne connaît pas. Et Allah nous dit en particulier dans la surah 16, verset 118, Allah dit, Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne saviez rien. C'est ça la définition de l'ignorance. Vous ne saviez rien. Et il vous a donné, lui, la vue et le cœur peut-être serez-vous reconnaissant. Peut-être serez-vous reconnaissant par ces facultés que Allah vous a données. Donc, les ténèbres, et Allah compare souvent l'ignorance aux ténèbres. Vous savez qu'en arabe, quand on parle de jahl, jahl c'est l'ignorance. Le jahl, c'est l'ignorance. C'est ce qui a donné la djahiliya. Donc, la période de l'ignorance. C'est-à-dire avant l'avènement de l'islam. Comme Allah l'appelle, Subhanahu wa Ta'ala, dans le Coran, notamment dans la Surah Al-Ahzab, Surah 33, quand il parle des femmes du Prophète, sallallahu alayhi wa de ne pas s'exhiber de la façon donc, de l'ignorance, de, de la période de l'ignorance, ou de la façon donc, de la, des temps anciens, où les gens ne savaient pas. Ils savaient pas, qu'est-ce qu'ils ne savaient pas Ils ne savaient pas la vérité. Donc certains, leur monde s'arrête à ce monde sensible. Une partie de ce monde sensible. Allah, dans la surat 30, verset 7, la verset 7, il dit certains ne connaissent que quelques, quelques bricoles, je dirais, de la vie de ce bas monde. Quelques bricoles de la vie de ce bas monde. Et ils pensent savoir. Et quelques, certains connaissent sont spécialisés dans des choses qui sont inutiles. Dans des choses même où mieux vaut ne pas les connaître. Je pense à la sorcellerie. Je pense à, à l'astrologie. Ce sont des choses qui sont extrêmement graves. La sorcellerie, bien entendu, celui qui est sor le sorcier est un mécréant. Celui qui étudie l'astrologie, c'est quelqu'un qui dévie et celui qui croit que les astres ont un pouvoir sur le monde, certainement, est un mécréant. Comme l'a dit le prophète sallam le même matin, meilleur qu'aujourd'hui, il a dit parmi nous, il y en a qui se sont réveillés, croyants d'autres qui se sont réveillés, non-croyants. Ceux qui ont dit on a reçu de la pluie grâce à Allah sont des croyants ce qui ont dit on a reçu de la pluie grâce à telle étoile et telle étoile on me croit. donc c'est quelque chose qui est grave il y a la géomancie aussi les gens qui donc à partir des signes de la terre ou à partir des signes de la main comme malheureusement même dans les pays musulmans on le trouve ils regardent la main ça ressemble à du 11 ou ça ressemble à je ne sais quoi d'autre donc tu vas avoir une longue vie tu vas avoir de l'argent tu vas avoir ceci et cela bien entendu ne sait l'avenir que Allah subhanahu wa ta'ala seul donc il y a des sciences où il y a un savoir qui est même pas inutile, un savoir qui est toxique. Donc ceux-là, on peut, on peut les appeler des ignorants. Oui, ils sont ignorants, même s'ils si connaissent des choses. Il y a des sciences qui sont... Euh, il y a un savoir plutôt qui est inutile. Savoir comment euh, la généalogie, même si les Arabes aiment beaucoup ça ou des sciences comme ça qui sont inutiles. Il est très fort en ceci, en cela, alors qu'en réalité, ça ne lui apporte aucun bien, ni ça n'apporte un bien à personne d'autre. Connaître des récits, mais des récits pas forcément pour se rapprocher d'Allah, mais des récits juste de famille ou de l'histoire comme ça pour rien. Ça n'apporte rien à personne. Le connaître, qu'est-ce que ça va apporter? Pas grand-chose. Donc quand on parle d'ignorance, je mets tout cela dans des ignorants, dans la mesure où ça ne leur apporte pas. Quand on sort, quand le, le fœtus... Sort sous forme de bébé du vent de sa mère, il se retrouve dans un milieu qu'il ne connaît pas du tout, et donc il va croître comme Allah subhanahu wa ta'ala seul va le permettre, il va croître. Où il est, pourquoi il est? Où va t il? Voilà la question fondamentale de la vie qui se posera à un moment ou à un autre. Quand le bébé est dans un milieu, quand nous sommes dans un milieu, parfois on ne se pose pas ces questions-là. Mais pourtant, un jour viendra, soit à l'adolescence, soit plus tôt, soit plus tard, où on se pose qui suis-je D'où je viens Donc, des réponses différentes, bien entendu, ont été données à partir de conjectures, à partir de ce que les gens pensent. Certains descendent du singe, d'autres descendent du néant, d'autres se disent que c'est un cycle perpétuel comme le bouddhisme, par exemple, et que c'est de la réincarnation, etc., etc. Ce sont des théories et ce sont donc des croyances. Et quelle est la vérité C'est pour cela qu'on est tous ignorants. On est tous ignorants. Et Allah subhanahu wa ne dit-il pas dans la première surat qui a été révélée, qui est la 96, dans les premiers versets 1 à 5, Allah, quand il a envoyé l'ange Gabriel dans la grotte donc de Hira, trouvait celui qui n'attendait vraiment pas ça.

Lis, lis au nom de son Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une un, adhérence. n'est pas d'un caillou de sang comme certains l'ont traduit avant Maurice Bucaille. C'est Maurice Bucaille qui a traduit par l'adhérence. Alakah, c'est quelque chose qui est accroché. En effet, la morula, elle est accrochée. Ce n'est pas du tout ce que les gens pensaient quand il y avait une fausse couche, donc on voyait du sang sortir, même aujourd'hui. Et donc certains pensaient que l'homme est formé de caillots de sang. Non, l'homme est formé d'une adhérence, l'adhérence qui va devenir, ce que ça va devenir. Donc on sait ça dans l'embryologie, qui correspond absolument à ce que le Coran a décrit, et c'est ce qui a amené Maurice Bucaille à dire qu'un Bédouin du 7e siècle n'aurait jamais pu décrire une situation que bien sûr qu'on a découvert une situation qu'on a découverte qu'au 19e siècle. J'entends par là de l'embryologie. Et bien entendu, ce n'est pas étonnant pour celui qui croit. Pour celui qui croit en Allah, qui sait que Mohamed est le messager d'Allah. C'est pour cela qu'il dit qu'il était impossible. Alors que dans les anciens livres, on va trouver donc des anciennes théories comme des cailloux de sang, etc. Et donc les gens qui ont traduit se sont basés sur leur connaissance et pas du tout sur la réalité. Donc c'est de l'ignorance de la réalité. Ce que l'on voit, il y a un décalage entre ce que l'on voit et ce que l'on interprète par rapport à la réalité. Pas seulement la réalité de ce bas monde, et ce qui nous attend également. D'où est-ce que l'homme vient? Pourquoi il est là? Alors, ça, a développé, ça a amené beaucoup de philosophie. Pourquoi je suis là? On vit, on meurt, et après, où on va? Rien. C'est ce qui a amené l'association, c'est ce qui a amené les, entre autres, les Arabes du temps du prophète sallam du temps de la Jahiliya, de leur ignorance, avant que Allah n'illumine euh, la terre par l'envoi de Muhammad alayhi wa sallam, avant qu'Allah n'ait envoyé Moussa au peuple d'Israël, Jésus pour le confirmer, avant qu'Allah n'ait envoyé Noé, avant qu'Allah n'ait envoyé donc, à, chaque, à chaque peuple un prophète, au moins un prophète, les gens donc avaient ces théories et ils ne savent pas qu'après la mort il y a une vie. Que la mort n'est pas un truc, que ce n'est pas que osman. Entre autres versets de la surah Qaf, de la 50, Allah dit C'est extraordinaire. Et vous vous dites qu'après qu'on va mourir, qu'on va revenir. Ça, alors là, ça, on reviendra vraiment de loin. Bien entendu, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'il y a une vie après cette mort. Beaucoup prétendent que non, parce qu'ils n'ont pas de preuves, alors qu'en réalité, les preuves sont évidentes. Comme Allah le dit dans la sorte 22, verset 46, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est le cœur qui est dans la poitrine. Comme on a dit, le cœur est malade, il est aveugle, il peut même mourir. Et donc, pourquoi nous sommes là Comment tu vas le savoir, étant sorti de là où tu sais que tu n'as pas d'informations autres que des théories. Et c'est la sagesse et la miséricorde d'Allah qui a voulu nous, nous, nous enseigner ce qu'on ne sait pas. Donc, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une un, adhérence. Lis parce que ton Seigneur est le plus généreux. Il a enseigné à l'homme au moyen de la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc, nous sommes tous ignorants sauf celui que Allah subhanahu wa taala à qui il enseigne. Je mets donc dans l'ignorance les instruits, mais en fait ils ne connaissent pas la réalité Les choses. Ils la décrivent. Ils pensent savoir en réalité, ils ne savent pas. Ils ne savent pas la réalité. La réalité, elle n'est su que d'Allah subhanahu wa taala, qui par miséricorde a envoyé les messagers. C'est donc leur mission principale, c'est appeler Allah, affirmer ce que l'homme a oublié ou ce que Satan fait oublier, que Allah seul mérite l'adoration que Allah existe, même les gens qui pensent qu'après la mort, qui pensent qu'après la mort, il n'y a rien, comme les Quraysh du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam, savaient que c'est lui qui avait tout créé. Ils savaient que c'est lui qui fait descendre la pluie. Ils savaient que c'est lui qui fait ce qu'il veut. Comme Allah le dit dans la surah 39 entre autres, voilà, khalaqa la Allah. Et si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient c'est Allah. Qui a envoyé l'eau du ciel, ils diraient c'est Allah. Qui a fait ceci et cela Il dirait que c'est Allah, mais il ne croit pas à la vie après la vie, à la, la vie après la mort. Les prophètes que Dieu les bénisse ont été envoyés pour deux raisons principales. On dira pour trois raisons, disait Ibn Qayyim. C'est le fait de connaître Allah, parce que c'est la base de toute science, de tout savoir. Celui qui ne connaît pas Allah ne peut avoir qu'une vie extrêmement difficile, hein? une vie éparpillée, comme Allah le dit dans la sourate 20. Et comme le prophète wa sallam le dit Il a dit Celui qui Dont la préoccupation est la vie de ce bas monde Celui dont la préoccupation est la vie de ce bas monde Allah disperse ses affaires Mais la pauvreté entre ses yeux Et il n'aura que ce qu'Allah a décrété Celui dont la préoccupation L'intention est la vie de l'au-delà Allah rassemble ses affaires Concentre ses affaires Mais la richesse dans son cœur. Et le monde lui vient malgré lui. Hadith rapporté par nos imams Ibn Majah, Ibn Hibban, Allah tous miséricorde Et donc ça veut dire que quand tu ne sais pas pourquoi tu es là, certainement tu cours derrière tout et tu n'auras que ce qu'Allah a voulu. Et tu ne dors, tu dors peu, tu manges peu ou tout ce que tu fais très soucieux comme tu peux l'être. Jusqu'à ta mort. Après un souci, c'est un autre. Après les petits soucis, ce sont les grands soucis. Et tu as toujours peur de d'être dépossédé. Alors que celui qui croit, qui voit l'au-delà, Allah l'aide à cheminer dans ce bas monde. Et comme l'a dit le prophète quand Allah aime quelqu'un, il est loin de ce bas monde. Il est loin de ce bas monde. Pourquoi C'est la suite de notre لايف لاسميني كاسكو سيك سيماموند؟ الله لو دكريد ميور ست الحديد فيرسيفا. يعلموا انما الحياة الدنيا ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثرون في الاموال والاولاد. كمثل غيث عجب الكفار نباته، نباته ثم تحين مصفرة ثم Cette vie, cette vie est, est un jeu. L'exemple cette vie, c'est comme un jeu où on rentre en compétition sur les richesses et sur les enfants. L'exemple qu'il donne, c'est le qui descend du ciel, comme il le donne ailleurs dans la soirée 18, verset 45. Allah fait pousser donc des herbes qui deviennent ensuite sèches et ensuite que le vent emporte. Et on a vu le vent emporter combien de gens sont dans leur tombe, comme les gens qu'on pensait importants indispensables sont dans leur tombe. Alors qu'ils sont sortis du vent de leur mère, ne sachant rien, qu'ils ont grandi, qu'ils ont atteint le summum et qu'ils ont été appréciés, qui ont été des stars qui ont possédé tout ce que l'homme peut posséder aujourd'hui dans ce bon monde et finalement qui sont arrivés à l'âge de la décrépitude, qui sont morts si avant ils n'ont pas été si malades qu'on était pressé de les enterrer. Et c'est exactement le meilleur exemple qu'Allah donne, subhanahu wa et sa parole est vraie. Le prophète il ne parlait pas de lui-même. Il nous a expliqué la vie de ce bas-monde, que nous ignorons. Si nous, si nous savions ce que c'était, certainement, on n'aurait pas donné à ce bas-monde tant de poids. Le prophète, alayhi il a dit que ce bas-monde, un jour, meilleur qu'aujourd'hui, il est passé dans un marché. Djabir ibn Abdillah, qu'Allah l'a ainsi que son père, il a dit que le prophète, alayhi est passé dans un marché et il a vu un chevreau aux petites oreilles, mais mort. Un cadavre de chevreau. Il a dit Qui est-ce qui veut m'acheter ce chevreau à deux dirhams Ou à un dirham C'était la monnaie de l'époque. Ses compagnons lui ont dit Ce chevreau, même vivant, on ne pas à un dirham. Il est vilain, il a les oreilles coupées. Mais même, même, même vivant, on ne te l'achètera pas. Il dit Ce chevreau ne vaut pas chez Dieu, pas plus que. Ce bas-monde, plutôt, ne vaut pas chez Dieu plus que ce chevreau mort aux oreilles coupées. Elle sera par l'imam musulman, qu'elle lui fasse miséricorde. Dans un autre exemple, le professeur al sallam a dit que ce bas-monde n'est pas mieux comme il, est, il a comparé à quelqu'un qui met son doigt dans une mer ou le doigt plongé dans un fleuve ou une rivière. Il retire le doigt. Quelle est la quantité que ce doigt a pu amener d'eau parce qu'il a été mouillé par rapport à l'étendue du fleuve ou par rapport à l'étendue de la mer. Bien sûr que très peu. C'est rapporté par l'imam Ahmed, l'imam Tirmidhi, entre autres. Qu'allah le fasse tous miséricord. Il a dit également, comme pour nous, nous l'avons dit la semaine dernière, ce bamboo ne représente pas grand-chose, c'est un chant. Pourquoi nous sommes là Il a dit Je ne suis que comme un cavalier qui se repose un peu à l'ombre d'un arbre, et ensuite qui s'en va. Il est parti. Alayhissalatu salam, il n'y a qu'un siècle. Le pire, certainement, des jours. De cette comme disait Anas, le meilleur jour, c'est le jour que le professeur salam est arrivé à Médine. Et le jour le plus triste, c'est le jour où Allah l'a rappelé à lui, après qu'il ait choisi de rejoindre le compagnon élevé, subhanahu wa ta'ala. Donc ce moment, il est celui-là. Quand tu le sais, tu ne vas pas vendre ta religion, tu ne vas pas perdre ta santé, tu ne vas pas perdre ton temps à courir derrière ce qui, de toute façon, comme l'a dit le prophète, dans cette conclusion du discours, il n'aura que ce que Dieu lui a décrété. Donc, Allah nous décrit dans le Coran, et c'est ça la réalité de ce moment, on le voit. Mais combien Pourquoi le proverbe français ne dit-il si jeunesse savait et si vieillesse pouvait Parce que les jeunes sont fougueux, ils sont plus ignorants que les anciens ou les vieux qui sont souvent plus sages parce qu'ils ont de l'expérience, parce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont vu. Simplement, ils ne peuvent plus. Alors que la jeunesse, elle ne sait pas. Ça, c'est l'un des défauts de l'ignorance, parce que tu ne sais pas. Si tu savais ce qu'était la vie de ce bon monde, tu l'utiliserais pour ce pourquoi c'est. Et nous avons commencé donc par ce hadith du professeur Salam rapporté par Abu Hurayra Kallagre et qui est un hadith qui est bon et qui a été consigné par l'imam Tirmidhikr alifas Misericord Ce monde n'est-il pas maudit a dit le professeur Salam Maudit ce qu'il contient Ce monde, ce bas-monde est maudit Maudit c est ce qu'il contient sauf l'évocation d'Allah, le zikr dhik Allah Et ce qui peut lui être assimilé on dit la prière, le jeûne, etc. La lecture du Coran. Et celui qui enseigne le bien et celui qui apprend le bien. À part cela, ce monde est maudit. Donc ce n'est pas quand on dit que ce monde est maudit, comme disent les savants, il ne s'agit pas bien entendu que ce monde a été créé maudit. Non, maudit tout ce qui est sauf l'évocation d'Allah. C'est le, le monde où les meilleurs des hommes ont vécu, forcément, les prophètes. Allah parle. De la beauté du ciel, de, Allah parle de tout ce qu'il a mis sur, il, sur les montagnes, de, de la mer, de tout ce que l'on voit. Donc ce n'est pas ceux-là qui sont maudits. Ce qui sont maudits, c'est ceux qui perdent le temps, qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Nous sommes là. Pourquoi nous sommes là C'est Allah a créé verset, 60, verset 1 2 deux en particulier, la sur 67. C'est qui a créé la, la mort et la vie afin de distinguer celui qui a les meilleures œuvres. Il est là, ce monde est là pour être labouré. Et l'au-delà, ici on travaille sans être jugé en général. Et dans l'au-delà, on sera jugé sans pouvoir travailler. on le fait dire à Ali ibn Abi Talib, Kala Quand on connaît, donc il faut connaître pourquoi tu es dans ce bon monde D'où tu viens, Allah le dit, dans combien de versets Où tu vas, c'est dans l'au-delà. Donc les prophètes que Dieu les bénisse, tous sont venus nous rappeler cette réalité. Cette réalité. Et ils nous ont dit à Ibn Qayyim, ils sont venus pour trois choses. La première chose, c'est la connaissance d'Allah. Deuxième chose, c'est ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas. Troisième chose, c'est la récompense de ceux qui ont fait ce que Allah aime, et la récompense de ceux qui ont fait, c'est que Allah n'aime pas. La base de la connaissance, c'est la connaissance d'Allah. Parce que celui qui connaît Allah l'aime. L'imam Ibn Al Mubarak, qu'elle a les fasses miséricorde, on lui fait dire :« Pauvre habitant terrestre, pauvre humain, il quitte ce bas bon monde. » Sans avoir goûté à la meilleure des choses de ce bas monde. On lui dit qu'est-ce que c'est? Il dit la connaissance d'Allah, ou comme on lui fait dire. La chose la plus merveilleuse de ce bas monde, c'est la connaissance d'Allah. Et on comprend mieux pourquoi, dans la Torah, dans l'Évangile, dans le Coran en particulier, qui regroupe tout ce qui est dans les psaumes, dans la Torah comme dans l'Évangile, Allah se décrit. Il est le seul à savoir qui il est. Celui qui ne connaît pas Allah, bien entendu, est dans les ténèbres. Celui qui prétend ne pas croire en Allah, alors qu'il y croit, ça j'en suis convaincu, comme Allah le dit dans la sourate 39, quand l'homme, quel qu'il soit, est mal le frôle, il appelle sincèrement Allah en se soumettant à lui, en revenant vers lui. Et si tu me donnes ça, je vais faire ça. Comme il Quand l'homme est acculé, pour une fois qu'il est sincère, il promet moins et merveilles. À qui À celui qui se passe de tout. Si tu, tu me guéris, je fais ça. Si tu me donnes une femme, je vais faire ça. Si tu me donnes de l'argent, je vais faire ça. Parce qu'il sait que il est incapable. L'homme a été créé faible. Comme Allah nous le dit, Surat 4, verset 28. Quand Allah lui montre sa faiblesse, Connais Allah, tu connais l'âme. Connais l'âme, tu connais Allah. L'homme a été créé faible. Même regarder, voir, manger, boire, respirer, n'ût été la miséricorde d'Allah sur nous, on ne pourrait pas. Ne vois-tu pas l'assistance respiratoire? Ne vois-tu pas les tuyaux? Ne vois-tu pas ce que l'on fait aux gens qui sont dans un état qui peut même ni manger, ni boire, ni s'asseoir? Ne vois-tu pas? Et celui-là, c'est le prétentieux une fois guéri qui oublie Allah subhanahu wa ta'ala ou qui feint d'oublier, qui se prend pour ce qui n'est pas. On a parlé de l'orgueil parmi les premières maladies dans l'épisode 2. Allah, il est celui qui a tout créé, sans besoin. Il revient. Voilà une chose qui, qui m'émerveille. Allah qui n'a besoin de rien, qu'il soit adoré ou pas, il reste le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans ses actes. La chose Allah aime le plus, c'est sa louange. Parce qu'il est loué par lui-même et sa louange suffit. Notre existence prouve qu'il est digne de louange. Notre désobéissance prouve qu'il est digne de louange. Notre remerciement prouve qu'il est digne de louange. Puisqu'il est le tout bien qui vient, comme Allah le dit dans la surat 16, encore verset 53. Tout bien qui vous arrive, ça vient d'Allah. Que tu le remercies ou que tu ne le remercies pas, il est le digne de louange. Si tu le remercies, c'est grâce à lui que tu le remercies. On dit Moussa, le prophète musulman de Banu Israël, comme tous les prophètes, il dit, Oh Allah, dis-moi, montre-moi, dis-moi une chose par laquelle je vais t'évoquer, et je vais t'invoquer. Je vais t'évoquer, chanter ta longe, et je vais t'invoquer, puisque l'invocation, c'est ça l'adoration. Donne-moi quelque chose au Seigneur. Et Allah lui a dit Ya Moussa, dis-la, il a, dit Il n'y a de Seigneur, il n'y a d'être digne d'adoration si ce n'est Allah. Il dit Mais Allah, tous tes serviteurs disent ça. En fait, moi, je veux quelque chose de particulier. Il a dit Ya Moussa. Oh Moussa, si les sept cieux et leur contenu, hormis moi, et les sept terres et leur contenu, étaient mis sur le plateau de la balance, et que là il a été mis sur l'autre plateau de la balance, c'est là il a été qui emporté. Savoir que Allah il est le parfait dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent entre sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde d'une part et sa justice parfaite, comme lui c'est le parfait, qui est basée elle sur sa sagesse. Et sur son omniscience, ça tellement suffit. Quand tu sais qu'il n'y a pas de goutte d'eau qui tombe, qu'il n'y a pas une contraction dans une matrice, qu'il n'y a pas une feuille qui tombe, qu'il n'y a pas une chose qui arrive plus petite que celle-là, ou au moins qu'il n'y a pas une idée qui te traverse l'esprit, que le subconscient est su par Allah subhanahu wa ta'ala, ça t'amène à quoi? à ne pas lui associer quoi que ce soit. Ça t'amène à quoi À adorer Allah et à l'aimer, puisque tout ce que tu as, ça vient d'Allah. C'est la base de la, du savoir ou de la connaissance. Ça donne des gens indépendants, des gens intelligents, des gens peu stressés. On a tous le stress, même Moussa a eu peur. Allez, salam quand il a appris que Pharaon et ses acolytes le cherchaient pour le tuer. Mais on met sa confiance en Allah. Parce qu'on sait que quand Allah est avec quelqu'un, personne ne peut le nuire. Le Prophète sallallahu a dit ceci si, à Ibn Abbas la Kalal Kalalagre ainsi que son père, il a dit jeune homme je vais t'enseigner un certain nombre de choses. Je passe à la partie qui m'intéresse. Il a dit sache que si la communauté entière se réunissait pour te faire du bien, ce bien tu n'en profiterais que si Allah l'a décrété pour toi. Si la communauté entière se réunissait pour te faire un mal, ce mal ne te touchera que si Allah l'a décrété pour toi. La plume est levée, l'encre a séché. Rien ne peut changer. La plume est levée, on ne peut rien écrire. 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux de la terre, Allah a créé la plume. Il a dit à la plume d'écrire. La plume dit Seigneur, qu'est-ce que j'écris Allah dit Écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. La plume est levée, on rien qui n'ait pas été écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre ne pourra arriver. Et l'encre asséchée, rien de ce qui a été écrit ne sera gommé. Et rien de ce qui a été écrit ne sera gommé. Et donc quand tu le sais, tu ne vas pas certainement adorer autre que Allah. Comme les Quraysh, qui adoraient, quand on leur dit « n'adorez pas autre que Allah, n'adorez pas des idoles, ne cherchez pas à vous rapprocher de ces choses ». Ils ont dit dans la sourate 39, verset 3 en particulier, L'homme est limité. Sa raison est limitée. Allah seul n'est pas limité. On ne les adore pas en fait, ils disait. On les adore que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. C'est ce que l'on cherche dans ce bas-monde. Bon quand on veut atteindre le roi, quand on veut atteindre la reine, quand on veut atteindre le chef, on passe par sa cour. Or, ceux qui supportent le trône, ils ne me demandent pas combien ils sont forts. Et que le prophète a vu le porteur, les porteurs du trône. Thamani a huit. Allah lui a montré les porteurs du trône entre l'oreille, le lobe de l'oreille et l'épaule. 500 années de marche. Comment Oui, 500 années de marche. Depuis qu'Allah a créé, qu'il a créé les anges, Certains sont en prosternation depuis ce temps. Et au jour du jugement dernier, ils viendront en demandant à Allah pardon pour ne l'avoir pas adoré comme il fallait. Il est le seul digne de l'ange. L'ange Gabriel et les autres anges, qu'Allah les bénisse, n'osent pas intervenir. Ils n'interviendront que par la permission d'Allah. Comment une, une, comment une idole, comment une personne peut-elle intervenir pour te, pour te sauver Il y a une secte qui a causé, entre autres, l'égarement d'une femme, il y a quelques années ici à Toulouse, deux, trois ans, qui s'est suicidée. Parce qu'elle a été négligée par le chef de la, de la secte, une secte qui écrit aujourd'hui que si tu es interrogé par Nakir et Munkir, les deux anges chargés d'interroger le, le, le défunt dans la tombe, que c'est lui qui va répondre à sa place, à ta place, et les gens vont croire à ça. Quelle ignorance! Allah lui-même dit. Dans, la, dans le verset Ayatul Kursi que nous, nous connaissons tous pratiquement 255 de la sourate de qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission c'est lui qui cherche une un intercesseur comme d'autres l'ont fait avant nous je vais intercéder auprès d'Allah qui es-tu pour intercéder qui peut intercéder auprès d'ange les anges les plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala cherchent à qui mieux mieux pour se rapprocher d'Allah et toi, tu vas chercher à passer par des hommes ou par des statues pour atteindre Allah. C'est la pire des injustices. C'est la pire des ignorances. Il n'y a pas plus ignorant que celui qui pense que l'on peut s'approcher d'Allah, que l'on peut intercéder auprès d'Allah. Au lui a donner un fils, il a donné des filles, il en donné des intercesseurs. Loin de lui. Subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on lui associe. Allah n'a besoin de rien. Et c'est lui qui dit, Subhanahu wa Ta'ala, mes serviteurs du premier au dernier, Djin et homme réunis, si vous aviez le cœur le plus pur comme le plus pur d'entre nous, on pense à l'ange Gabriel, cela n'augmenterait rien dans mon royaume. Si vous aviez le cœur aussi pervers que le plus pervers d'entre vous, on pense à, à, à Iblis, à Shaitan, à Satan, cela am, ne diminuerait rien dans mon royaume. Allah n'a besoin de rien. C'est pour cela, chercher. Un intermédiaire pour l'approcher, certainement c'est l'association. Et c'est ce qui a amené les associationnistes dans, à cause de leur ignorance d'Allah, l'élever dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes. Le parfait. Lui c'est le parfait. Tout autre que lui est un parfait. Tout autre que lui a été créé. Donc connaître Allah c'est la base même du savoir. Quand on connaît Allah, certainement on ne craint que Allah. Ceux qui font parvenir le message d'Allah, les prophètes, et qui le craignent, en effet, et ils ne craignent il Allah. C'est pour cela qu'Allah rassemble leurs affaires, parce qu'ils pensent à la vie, ils craignent Allah à sa rencontre le jour du jugement dernier. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre. Que c'est celui qui connaît Allah qui le craint. Allah dit dans la Surat 35 al verset 28, Inna ma ibadihi al -ulama. En réalité, ne craignent Allah que les savants. Qu'est-ce qu'ils savent Ils savent qui est Allah. La meilleure des sciences, c'est celle-là. La pire des ignorances, c'est ignorer qui est Allah. Avec ses conséquences. Pourquoi je suis là les gens qui se suicident, il n'y a pas de vie après cette mort, cette, cette vie pas, ne vaut pas le coup. Non, c'est parce que tu ne connais pas, tu es ignorant. Apprends ta religion. Apprends la vérité et non des aspects, non des spéculations, non des présomptions. Apprends la vérité. La vérité, c'est celle qui concerne ce bas-monde, concerne celui qui l'a créé, subhanahu wa ta'ala, concerne ce que tu vois comme concerne ce que tu ne vois pas. La vie ne s'arrête pas à ce que tu vois. Autour de toi, il y a les anges. Autour de toi, tu y as les diables qui appellent au feu. Autour de toi, tu as ce que tu ne vois pas. Tu as les influenceurs, pas sur YouTube. Tu as les gens qui sont là en train de t'influencer. Et tu es manipulé sans que tu le saches. Alors, mets ta confiance au vivant qui ne meurt pas, celui qui sait tout. Alors certainement, tu seras heureux parce que tu ne craindras que Allah. Tu seras droit malgré les tentations. Parce que le péché, il vient d'où D'un cœur. Ce n'est pas la passion. Souvent, la passion ne suffit pas pour être pécheur. La passion, c'est l'ignorance. La passion s'appuie sur l'ignorance. L'ignorance de qui Du Seigneur. L'ignorance de la gravité de, du péché. C'est une des choses à connaître, hein, ma sœur. Les Katada, un épigone, de deuxième génération, Katada, il disait, L'unanimité des compagnons du professeur Sallam, ça faisait l'unanimité des compagnons du professeur Sallam qui disaient donc que celui qui désobéit à Allah est forcément un ignorant. Je vous dis encore une fois, c'est pas le fait de connaître ce qu'Allah a interdit. Non, c'est pas ça, la science. La science, c'est enfin, de connaître ce qu'Allah interdit et ne pas y tomber. On dit qu'il y a trois types de connaisseurs ou de savants, si on peut l'appeler ainsi. C'est qui connaît. Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ses règles, ses lois qu'il a édictées. Celui qui connaît Allah mais ne connaît pas ce qu'Allah a édicté. Celui qui connaît ce qu'Allah a édicté mais ne connaît pas Allah. Parce que quand on connaît Allah, on l'aime. Quand on connaît Allah, on, a, on le craint. Quand on connaît Allah, on est heureux. En effet, tout péché, je parle, là on parle des maladies du cœur, de l'ignorance. C'est parce qu'on ne connaît pas Allah. Le péché. Qu'il soit prémédité ou non prémédité, procède de l'ignorance. Le Professeur Salam nous a dit, Allah ne nous en veut pas à cause de lui pour les péchés faits par ignorance ou par erreur, par oubli ou par contrainte. En réalité, même les fautes faites par erreur sont de l'ignorance. Si ce n'était pas par ignorance, tu ne te serais pas trompé. Si tu es trompé, c'est parce que tu ignorais la vraie solution. C'est par ignorance. C'est pas prémédité. Allah les pardonne, mais c'est la cause de, c'est à cause de l'ignorance que tu t'es trompé. Tu t'es trompé parce que tu es ignorant. Allah seul sait. Il le dit souvent, il le répète, entre autres dans le verset 216, de la sourate Al-Baqarah. Il se peut que tu aimes une chose et qu'il n'y a pas de bien dedans. Il se peut que tu n'aimes pas une chose alors qu'Allah y a mis beaucoup de bien. Allah sait et nous ne le savons pas. Parce que tu ne sais pas, fais confiance à celui qui sait et à ce qu'il décrit. C'est la réalité des choses. Les gens le découvriront à leur mort. Qu'il n'y a d'autres réalités que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit. Et que tout le reste peut peut-être ressembler à ça, mais ce n'est pas la réalité. Comme un mirage. Combien les gens ont vu de la pluie. Comme les gens ont vu de l'eau. C'est le mirage. Parce qu'ils avaient soif, parce qu'ils espéraient. Et combien les gens pensaient que le meilleur jour de leur vie est le jour de leur mariage. Ou le jour où ils ont réussi tel concours ou ceci et cela. Et après ils découvrent que c'est pas celui-là. S'ils avaient su, mais ils ne pouvaient pas savoir, ils ne certainement pas épousé cet homme ou cette femme. S'ils avaient su, ils ne certainement pas fait. Ces études, combien de gens au jour du jugement dernier, comme Allah l'a dit, les amis intimes, ce jour-là, le jour de la résurrection, seront les ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Qu'est-ce qui caractérise les pieux C'est la croyance en Allah, c'est la connaissance d'Allah. Qui connaît Allah Si ce n'est lui-même. Il est le seul à savoir qui il est. C'est pour cela que nous avons dit qu'il a envoyé les prophètes c'est le but principal de leur envoi. Quand tu ne connais pas Allah, c'est l'ignorant même. Même si tu as un prix Nobel, il reste ignorant. Il ne sait pas pourquoi il est là il ne sait pas ce qu'il attend. Nous, nous savons ce que nous attendons. Simplement, on est rarement savant. Parce que si on était savant, on n'aurait pas été faire les péchés de façon préméditée. Nous avons dit non prémédité, c'est quand même dû à l'ignorance. Qu'est-ce que dire alors du préméditer On fait dire à mieux que moi ne vois pas la petitesse du péché, vois la grandeur de celui à qui tu, tu, tu désobéis. Si tu connaissais Allah, tu ne l'aurais jamais désobéi. Ne dis pas ça, c'est un petit péché. En effet, il y a deux types de péchés. Il y a les grands péchés et les petits. Où il y a les péchés véniels, il y a les péchés majeurs. Où il y a les péchés véniels et des péchés capitaux. Mais néanmoins, les péchés véniels, on fait dire à Ibn Abbas, la ainsi que son père, le traducteur du Coran, traducteur, l'interprétateur par excellence, au travers de ce que Allah lui a donné, au travers de l'invocation du prophète Muhammad, qui a demandé à Allah de lui faire comprendre sa religion. Et celui qui Allah aime, a dit Muhammad alayhi wa sallam, il lui fait comprendre sa religion. Le fait de comprendre. Celui qui Allah aime, il lui fait comprendre sa religion. Ibn Abbas, car à l'égret, on lui fait dire, le péché veniel, le petit péché, sur lequel on persiste, devient un péché capital. Le péché capital, de devenir venir au point de disparaître hein? si on en a honte on regrette on décide de ne plus jamais le faire on a honte de soi-même parce que on a désobéi à Allah pourquoi mes frères parce que connaissant Allah tu dois savoir que Allah n'a aucune injonction d'Allah aucun ordre d'Allah N'est vain aucune interdiction d'Allah N'est vain si Allah a ordonné quoi que ce soit, c'est parce que le bien l'emporte sur le mal pour ne pas dire que c'est le bien pur. Celui qui le connaissait, c'était Mohammed, qu'Allah le bénisse et le sauve. N'as-tu pas vu que quand Allah l'a honoré au-dessus de sept cieux, Allah lui a donné un cadeau, 50 prières par jour. Parce que la prière empêche des choses blâmables et les turpitudes. Parce que, comme l'a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, imaginez l'un d'entre vous devant la maison de, de, de qui il passe un fleuve, et il se lave tant de fois par jour. Est-ce que vous pensez qu'il va rester sale? Ils ont dit non, il dit c'est l'exemple de la prière. Allah lui a ordonné, Allah lui a donné comme cadeau 50 prières par jour, il n'a pas demandé de réduction. Mais Allah est miséricordieux. Quand il est redescendu au sixième ciel, qu'il a rencontré Moïse, que Dieu le bénisse, c'est lui qui a demandé à Mohammed de remonter après avoir été informé du nombre de prières par jour. Il a dit, quel cadeau notre Seigneur t'a donné Il a dit, il a donné 50 prières par jour. Il a dit, non. 50 prières par jour, c'est trop. Comme j'ai quitté les fils d'Israël et pourtant j'ai beaucoup insisté, il ne sauraient supporter 50 prières par jour. Remonte et demande des réductions. Mais quand Mohammed, Allah lui a dit 50 prières, il a accepté et remercié Allah. Et il a fait autant de va et vient que finalement, Allah a réduit de dix fois, finalement, cinq prières par jour. Il rencontre un nouveau Moïse, qu'Allah le bénisse. Il dit combien? Il dit cinq. Cinq. Il dit non, cinq c'est trop. Remonte. Allah dit non, ne remonte pas. Chaque prière sera comptée dix fois. Si Allah t'ordonne, ma sœur, mon frère, Allah t'ordonne de le prier, c'est pas pour lui. C'est pour toi. Si Allah t'ordonne de le prier, c'est de te tirer des griffes de ce bas monde qui en a tué combien, qui a épuisé combien, qui n'en a pas profité. Si Allah t'a mesuré ta part de nourriture, de bien, c'est pour ton bien. Parce que sinon, plus tu en as, plus tu en voudras. Comme l'a dit le meilleur des hommes, le riche pour qu'il entre au paradis, il ne faut pas qu'il cesse de donner, faire ce geste à droite, à gauche, devant lui, derrière lui, or il fouille les trouloirs des pauvres pour s'enrichir, continuer à tricher toujours pour avoir un peu plus. Et l'homme ne bougera pas d'un pas avant de rendre compte de cela. D'ailleurs, cette connaissance qu'Allah a donnée aux ignorants que nous sommes, c'est exemple magnifique. Toi qui n'en as que en ligne de mire que ce bas monde, cette connaissance, le Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, est sorti. Et avant lui, Abu Bakr est passé. Abu Hurairah, la c'est lui qui a rapporté le plus de hadiths du Prophète Sallallahu bien que rentré assez tard dans l'islam. On dit en septième année de l'Égypte. Donc que trois ans pendant la vie du Prophète Sallallahu pourtant c'est lui qui a rapporté le plus de hadiths. Il était là, il avait faim. Il avait faim et il a vu Abou Bakr passer. Il dit Oh Abou Bakr, tu ne veux pas que je te récite un verset Abou Bakr lui dit non, merci. Il n'y a pas de hasard, Omar passe après. Il dit Omar, est-ce que tu ne veux pas que je te récite un verset Il dit non, merci. Ensuite, qui va venir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam, le voit avant qu'il ne lui pose, il ne va pas lui demander. De lui réciter un verset qui a été révélé sur lui. Il le, le prophète sallallahu le voit et il sourit. Il dit au père de, du chaton, puisque Huraira, c'est le petit chat. Hur, Hir, Hir en arabe, c'est le chat. Huraira, c'est le père du petit chat, puisqu'il avait, il vivait dans la soufa, donc dans l'anti, au fond de la mosquée. C'était des gens qui étaient pauvres et il avait souvent un chaton. Donc, dans son manteau, on l'appelait le père du chaton. Il dit, suis-moi. Ils, ils ont été demandés. Ils ont été chez un ansard et quel braves euh, gens, Quels gens honorables, les gens des ansards les gens de Médine n'aiment les hansards que les, les vrais croyants. Ils ont été chez lui, ils l'ont pas trouvé. Sa femme dit qu'il était parti au champ. Ils ont été l'appeler, il est revenu. Il a dit qu'elle euh, je suis le meilleur de ceux qui ont eu des hôtes. Les meilleurs hôtes sur la terre. Mohammed, le prophète d'Allah, son compagnon, le meilleur d'entre eux, Abu Bakr, et le meilleur du, de... Ensuite, Omar. Et il y avait Abu Hraïra. Il a décidé d'égorger, pour les honorer, de sacrifier une brebis. Et quand euh, il voulait le sacrifier, celui qui a été envoyé comme... Euh, Miséricorde pour le monde lui dit Vérifie si la brebis n'est pas grosse Parce qu'en voulant sacrifier une brebis Peut-être que tu as sacrifié une brebis Et son petit Ensuite il a sacrifié Ils ont mangé Mais avant cela il leur a donné des dates fraîches Comme en entrée Et de l'eau fraîche Ils ont mangé Ils sont sortis de là Et le professeur a dit Mon cher Abou Bakr nous sommes sortis le ventre vide. Nous, sommes nous sortons de là. Nous sommes sortis de chez nous le ventre vide. Nous, nous allons rentrer chez nous le ventre plein. Et sur cela, on sera interrogé. قل لو تعلمون علم اليقين ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسالون الناس كمتى ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم لو جورجي vous serez interrogé sur les délices pourtant c'est halal c'est permis Allah a tout créé pour nous ces fruits ce ce, ce et toutes toutes ces délices Mais le fait de les avoir d'en avoir profité, cela demande une justification. Cela demande, et on sera interrogé, comment tu l'as eu et comment tu l'as dépensé. Que Allah t donné, qu Ce qu'Allah t'a donné, qu'est-ce qui t'a fait de cette énergie Quand le prophète sallallahu alayhi wa parlait vrai, dit ça, c'était pour nous mettre en garde. Et ces deux, ils sont au paradis. Lui, n'en parlons pas. Donc si Allah t'ordonne, pour conclure, puisque le temps passe vite, alhamdulillah. On sait ce qui nous attend. C'est pour ça qu'il faut en profiter au maximum. Ne laisse pas une seconde. Ibn Omar disait le prophète sallallahu alayhi sallam a pris par l'épaule. Il me dit jeune homme, il me dit sois dans ce bas bon monde comme un passant ou un étranger. Mais ça va expliquer. Lui-même, il explique quand tu es au matin, n'attends pas le soir pour faire le bien. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin pour faire le bien. Prends pour ta, sur ta santé pour quand tu seras malade et ça va arriver. Et prends sur ta vie pour quand tu seras mort et ça va arriver. Si Allah t'ordonne une chose, ma soeur, mon frère, crois en Allah. Si tu sais, si tu connais Allah, tu sais que Allah a fait ça pour ton bien, pour arracher, t'arracher des griffes de Satan, cinq fois par jour au moins. Tu viens, il te purifie, tu te rappelles Allah, la vie dernière, etc. Pour faire du bien pour toi. Il t'a ordonné la prière, il t'a ordonné le jeûne, il t'a ordonné l'équité, il t'a ordonné ce qu'il t'a ordonné. C'est que le bien est là. Il n'est pas ailleurs, contrairement à ce que le Satan t'amène dans le cœur, dans les oreilles et sous les yeux. Car Allah interdit une chose, c'est bien parce que le mal y est, même si tu ne le vois pas. Que Satan t'enjolive la vie de ce bas monde et le mal, parce qu'il a juré à Dieu, et ce peu s'en faut, que son serment soit vérifié, il a juré à Allah. De nous amener tous en enfer. Mais il y aura une exception, car nous compte parmi cette exception là. Si tu connais ce, qu -ce que c'est que la vie de ce bon monde, si tu sais ce que Allah aime, ce que Allah n'aime pas, tu sauras alors que ta destination sera soit le paradis, soit l'enfer. Et comment tu vas le savoir? Si tu, tu restes ignorant. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman, donc pour chaque musulmane. Et Allah a loué les savants. Ils le craignent. Il élève en degrés. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas pareils. Et de ce savoir-là, c'est la vérité. Ce savoir, ce n'est pas avoir un diplôme, je veux dire, universitaire, ou avoir un prix quelconque, en sciences ou ailleurs, bien que cela fasse partie, quand c'est utile, comme la médecine, comme autre chose, c'est bien utile aux humains. Celui que Allah aime le plus, ma soeur, c'est celui qui fait le plus de bien à ses serviteurs. Le meilleur d'une communauté, a dit le prophète, c'est celui qui est à leur service. Donc ne compte pas tes heures. Ne compte pas le temps que tu passes à servir les autres. Les prophètes, qu'est-ce qu'ils sont, sont venus pour tirer les gens des ténèbres vers la lumière Ne compte pas tes heures. Apprends ta religion, mets-la en pratique surtout, parce que le savoir qui est sur la langue est un argument d'Allah contre ses serviteurs. Le savoir qui est dans le cœur, c'est celui qui permet d'échapper à la vie de ce bas-monde et à ses tentations, de se rapprocher d'Allah, le seul digne d'amour, et de compter parmi les gens qu'il aime. Et quand Allah aime, il appelle Jibril, alayhi qui va l'aimer. Les anges vont l'aimer sur l'ordre d'Allah au travers de la mission de Jibril. Et tout sur terre va t'aimer. Et tu auras certainement, parce que tu es sorti de l'ignorance relativement. Tu n'es pas un prophète. Tu peux être un héritier de prophète si tu es savant. Tu peux être héritier d'héritier d'héritier d'eux. Mais en tout cas, c'est qui va te sauver dans ce bon monde. Et dans l'au-delà, sans parler de la tombe. Et qui te dira qu'est-ce qui est dans la tombe Tout ceci, ça fait partie de la science. Tout ceci, ça fait. Ce sont des choses que nous, nous ignorions. Et le prophète lui-même ignorait, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Et que les prophètes ignoraient. Et Allah nous a donné cette science pour nous tirer de l'état des ténèbres. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est le cœur. Et donc cette maladie de l'ignorance, c'est une plaie. Et malheureusement, les gens. Ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont ignorants. S'ils si le sauraient encore, ce serait la moitié de la science parce qu'ils iraient aller, ils allaient chercher la science. Mais penser que l'on sait à qu'on on ne sait pas, admirer les gens qui, paraît-il, sont des érudits alors que leur pratique ne correspond pas à ce que Allah aime certainement, ce n'est pas ça la science. L'ignorance c'est une plaie. Qu'Allah nous enseigne. Ce qui va nous être utile, c'est ce que demandait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma fana wa alimna zidna ilman wa Ya Allah, nous te demandons de nous enseigner ce qui va nous être utile. De nous faire profiter de ce que tu vas nous enseigner, C ce qu'on va mettre en pratique. Et de nous rajouter de la science. Parce que Allah seul est savant. Et wa Rabbi, zidni Allah demande à son professeur de lui demander encore plus de science. Plus on est savant, moins on pense savoir. Parce que la science réunie de Moussa, comme l'a dit le Khidr, et de l'envers, par rapport à Allah, la science réunie de Moussa et de l'envers ne représente pas, par rapport à la science d'Allah, pas plus que deux gouttes, deux gorgées qu'un moineau ou un oiseau prend par rapport à l'étendue de la mer. Qu'Allah, loué de lui, par lui-même, soit glorifié, et il l'est. Chante pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, même si nous ne comprenons pas cela. Ce Seigneur est le magnifique, il est le beau, il est le miséricordieux, il est le parfait. Ce Seigneur est celui qui est le riche, qui est le tout sachant. Par miséricorde, il a envoyé le meilleur des hommes à la meilleure des communautés, et qu'Allah subhanahu wa ta, nous fasse l'honneur de la science, la science qui est utile. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته